tu es aux États-Unis et tu veux envoyer les produits en Afrique pour vendre et tu veux charger les conteneurs pour envoyer en Afrique et vendre. Et donc, il y a plusieurs possibilités que vous pouvez faire. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo précédente, il y a les gens qui chargent des conteneurs dans les villes. Renseignez-vous dans votre ville, là où vous êtes, et vous allez forcément avoir une personne qui va vous donner une idée par rapport aux gens qui chargent des conteneurs. Donc, ce que vous allez faire, c'est que il y a plusieurs magasins ici que vous pouvez faire des achats et envoyer en Afrique. Moi-même, comme je vous dis, je le fais. Et donc, j'ai une boutique, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une boutique à Douala qui vend ces produits-là et qui vend aussi d'autres produits. Et donc, les boutiques que j'ai souvent eu à visiter pour prendre mes produits moins chers, c'est les Dollar Tree, c'est les 99 cents. Et les produits que vous payez là-bas, c'est les produits qui sont de bonne qualité et que vous vendez en Afrique et aussi à très bon prix. Et ce sont des bons produits. Je prends un exemple. Il y a un produit que je vendais l'année passée et c'était la vitamine E. Et vous allez voir la vitamine E là dans les Dollar Store, c'est les petites boîtes comme ça, c'est un peu les petites boîtes comme ça, et que je payais à Dollar Store et 99 à 1$. Et ces mêmes produits là que je payais à 1$, parfois je vendais à 2500, parfois à 3000 la vitamine E, parce que les gens, c'est les choses que les gens aiment, ok? Donc vous allez identifier les produits comme ça. Et j'ai aussi vu certaines personnes qui prennent souvent des coupons. Donc, vous comprenez ce que je dis, les coupons, ils partent dans les magasins, ils prennent des coupons, des produits avec les coupons et qui chargent dans les conteneurs. Et ces produits avec les coupons, ça peut être les produits de vaisselle, ça peut être les produits de nettoyage et tout. Et ils envoient dans les fûts. Et ils envoient ça en Afrique. Vous pouvez également, aller dans les magasins comme les Costco, Costco, Sam's Club et tout, vous allez voir des produits là-bas qui sont très bons prix. Si vous avez des cartes, bien entendu, vous allez acheter les choses là-bas en gros et que vous allez charger dans les fûts, envoyer en Afrique. Et comme j'ai parlé même des liquidations, les liquidations également sont des très bons moyens d'envoyer les choses quand vous êtes aux États-Unis. Ok? Et j'ai souvent acheté les palettes de Target qui sont de très bonne qualité, les palettes d'Amazon également qui sont de très bonne qualité. Mais cependant, il y a aussi des palettes de Walmart, des magasins, de tous les magasins que vous connaissez là. Donc allez sur en ligne, vous tapez liquidation, vous allez voir, allez sur Google, tapez liquidation, vous allez voir les stores vont sortir dans votre localité et vous allez vous renseigner. Parfois même pour aller sur place, parce que ici il y a aussi les endroits que vous pouvez acheter sur place, vous pouvez voir le produit avant d'acheter. Mais parfois vous allez choisir, quand vous allez dans certains endroits, c'est les cartons, vous allez choisir les cartons. Les grosses palettes déjà emballées, vous allez arriver et déballer et voir ce qui est dedans. Donc vous ne voyez pas le produit avant, mais vous prenez un ballot, un peu comme le ballot, et puis après vous allez déballer. Ok, donc ça c'est un moyen que vous pouvez faire pour gagner de l'argent, envoyer les choses en Afrique. Et comme j'ai dit, si vous avez une bonne personne là-bas, envoyez les choses là-bas et ça va vous faire un business, ok? Quand à chaque fois on va vendre et envoyer l'argent pour que vous envoyez encore les produits. Et ça peut vraiment faire une bonne source de revenus, ok? Donc, essayez, pourquoi pas essayer. Surtout que quand vous chargez dans le conteneur, on vous livre chez vous là-bas au pays. Ou bien peut-être ils ont l'entrepôt et quand ça sort, partez là-bas récupérer, ok? Donc, restez connectés, partagez la vidéo et on se dit à très bientôt dans la nouvelle vidéo. Bye bye.